Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session seconde, session de The Coma Recut. Alors, chargeons tout de suite la partie. 1951, ça a l'air d'être le plus récent. Allons-y. Voilà. Voilà, et nous voilà déjà. Nous voilà déjà dans l'ambiance de l'horreur. Alors, ça c'était la carte, ok. Ça c'était les petits éléments qu'on a pu... pour le moment. L'art est important. Déplacer les instruments, l'entrepôt souterrain, oui. Je crois qu'on l'avait déjà lu, hein, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a comme objet? On a de quoi récupérer. Enfin, empêcher l'endurance de diminuer, ça c'est cool. Un anti-poison, un anti-hémorragie. Ouais. Récupérer de l'énergie et de soins. Ok. J'aurais trouvé les cartons dans le bâtiment nord. Ah, c'est plutôt les cartons pour atteindre le bâtiment nord. Et donc, notre prochain objectif, c'est... ça c'était là... Ça, ok. Notre prochain objectif, c'est d'aller du côté... du souterrain. Terrain du bâtiment principal. Ok. Ah, donc pour ça, il faut qu'on aille au premier étage et qu'on descende encore. Ok. Bon, visiblement, je m'étais fait repérer, mais ensuite c'est passé. Ok. Mince. Ok. Vraiment, c'est par ici. D'accord. Pas si c'est safe, mais... Oh! Le pote. C'est un endroit où on est censé fouiller de toute façon. Ce carton provient de la salle informatique. Il est rempli de matériel informatique et de câbles. Monsieur Bang, professeur d'informatique. C'est pas ce qu'on cherche. Oh, petite scénette. Oh, ouais. Ouh, ouh, ouh. C'est haut. Qu'est-ce que tu fais là? Pas le temps de parler. Je suis occupé. Où est-il? Où est-il? Du coup, Mike, tu cherches quoi? Laisse-moi t'aider. Ça ne te regarde pas. Ok, mollo mec. Quelque chose ne va pas. Pas du tout. On dirait qu'il est devenu fou. Où est-il, putain? Pas le temps, c'est bientôt terminé. Non, t'approches pas de moi. Tu peux pas me faire ça. Pas moi. Disparais. Je l'ordonne. Disparais. Enfin. C'est où? Et qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Et merde. Bonjour! Ah, enchanté. Sauvegarder. La sauvegarde devant l'effroyable monstre. Je peux lui parler? Ou est-ce qu'il va vouloir me niquer? Non, c'est bon. C'est où? Hé, lâche-le! Encore un intrus. Ton peuple m'appelle la sœur. C'est où? C'est toi? Reste calme, mec. Ton ami a disparu. Sa bouche, sa langue, ses mots m'appartiennent désormais. On dirait qu'il est possédé. Laissez-le tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Je prends ce que je veux. Je voulais ça, le corps de ce jeune homme. Alors je l'ai pris. Il est à moi maintenant. Ok, arrêtez ça. Vous êtes malade, s'il vous plaît. Pourquoi ne le laissez-vous pas tranquille? Tais-toi, jeune homme. C'est à mon tour de poser des questions. Que fais-tu ici? Je ne t'ai pas invité. Qu'est-ce que j'en sais? Je me suis réveillé ici. Que voulez-vous? Curieux. Je ne comprends pas grand-chose, pas vrai? Je ne veux rien de toi, parce que tu n'es rien. Tu es un intrus dans mon monde. Ne perds pas mon temps, cours. Ma jolie créature va bientôt s'assurer que tu subisses le même destin que les autres intrus. Oh non. Votre créature, vous parlez de Mademoiselle Sang? La discussion est terminée.
tu interromps mon repas. Non! Une seconde. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Cet idiot, ce stupide pleurnichard plein de gras a perdu un bout de la relique. Imbécile! Intrus, peut-être que tu peux te rendre utile après tout. Si tu trouves quelque chose pour moi, je vous laisserai passer tous les deux. Ton crétin d'ami a perdu un bout de la relique. Fouille les toilettes, en 4F, là où il se cachait, et ramène-le-moi. Seo cherchait quelque chose juste avant que je le trouve. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Ou qu'elle veut, plutôt? Et si c'est le cas, pourquoi le veut-elle à tout prix? Ah, je peux pas atteindre les cartons de toute façon, donc je vais être obligé de... l'écouter. Une note supplémentaire, ce qu'elle touche déjà. La première négociation, elle a dit que je pouvais apprendre la magie, moi aussi. Quel geek n'a jamais rêvé d'avoir de tels pouvoirs. Je mettrai une branlée à toutes les brutes qui m'ont cherché. Ou alors je deviendrai célèbre et riche en faisant des miracles avec mes boules de feu. Elle a dit qu'elle ne souhaitait qu'une seule chose en retour. Bon, alors, c'était quoi déjà? Ce monstre taré dit s'appeler l'ombre. Il faut que je trouve ce qu'elle veut ou c'est où est un homme mort. C'est dans les toilettes tout en haut, oh la vache. Allez, je vais re-sauvegarder un coup, pour éviter de refaire le dialogue si jamais on vient à mourir. Et allons-y. Donc je monte tout en haut, 4 fois, et ensuite c'est sur la gauche. Viens par là. Verrouillé pour le parking. Merde. Et merde. Allez, 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 toilettes, toilettes, toilettes. Je sais pas si c'est les bonnes. C'est verrouillé. Apparemment, elle m'a laissé. Oh la vache, quelle saleté. Ça. Récupère. Je sais pas si ça me donne 2 cœurs ou 3 cœurs, ça, donc. Dans le doute, on va juste en récupérer un. CO était ici, je me demande s'il a fait tomber quelque chose. On dirait une note de CO. Ouais, pas d'erreur, c'est bien son écriture de merde. Comment la contrôler? La stabilité est primordiale. Sans ça, je la perds. Je n'ai plus beaucoup de choix, j'ai marqué chaque lieu de rituel avec de la peinture rouge. C'est seulement en jouant de cette flûte dans l'un de ces sites de rituel que je peux la bercer et la calmer. Il y a toujours des endroits que j'aimerais éviter, l'odeur de cette classe me donne toujours des maux de tête. SHG c'est CO du coup? Depuis le début? Parce que c'est lui qui a rencontré une fille qui fait de la magie, machin. Chaque lieu de rituel avec de la peinture rouge, mais il faut que je joue de la flûte. J'ai pas de flûte. Les murs utilisés pour le rituel sont couverts de peinture rouge. J'en ai vu quelques-uns dans l'école. CO s'affairait autour d'eux. Il a dû perdre la partie manquante dans l'un de ces endroits. Ah d'accord. Enfin, c'est pas tant... C'est pas tant le machin de la flûte qui m'intéresse, mais c'est le fait d'aller dans ces endroits parce qu'il y aura peut-être l'indice là-bas. Enfin, le morceau de relique. Il y a toujours cet endroit. Cette classe. C'est dans une classe. Grosse question, c'est dans quelle classe, quoi. Et donc on va... Sur la gauche, on descend, on va à la cafétéria, on sera safe. Ok. Je peux racheter un objet pour la vie, et je peux même l'utiliser. Et en racheter un autre derrière. C'est plus que 500 balles, enfin, faut qu'on... Qu'on soit chanceux. Où est-ce qu'il est passé? Il est parti. Voici la note qu'il a écrite.
Je n'aime pas les cours du soir du Molosse. Je sais que mes notes de maths sont mauvaises, mais ces 2 heures de cours sont une perte de temps. Je n'ai pas besoin d'étudier des trucs qui me seront inutiles après les examens. L'université dans laquelle je veux aller ne regardera même pas mes notes de maths. De toute façon, il ne comprend pas qu'il perd mon temps, inconnu. Je pense pas qu'il sache ces choses-là, mais il a dû les entendre. C'est lui qui accroche ses notes dans toute l'école. Mais dans quel but? Quoi qu'il en soit, je ne voudrais pas avoir cours avec le Molosse non plus. Ça doit être le cours du soir le plus stressant au monde. On va faire une autre save. Où est-ce qu'il y avait des... Enfin, il va falloir qu'on refasse toutes les classes. Terrible. C'est que c'est dans une salle de classe. Hein. Très probablement. Je vais savoir où. Ça, on avait déjà vu, il me semble. Je peux toutes les ouvrir, hein, c'est. Enfin, quasi toutes si ce n'est toutes. Ça devrait aller. J'entends des bruits de pas. Donc restons bien à l'abri pour le moment. Ok. Ah bah elle s'amuse à rentrer dans les salles maintenant. Ok. J'ai l'impression qu'elle est partie. Rien ici non plus. Je me souviens d'en avoir vu un hein, des trucs de flûte là, des marques, je sais plus où. Rien pour se cacher. C'est bon. Terrible. Mais c'est ouf, je l'ai inventé ce truc ou... Je sais pas combien de salles là. C'est dans l'autre bâtiment, je me coupe une couille quoi. Ah. Ici. Ici, mais je vois rien. On va examiner quand même la pièce en entier. Mon bureau. Et ça, c'était notre classe à nous.
C'était pas moi qui ai amené Yungo dans le coma. Alors qu'est-ce qu'il fait ici, Seo? Ah donc Seo se baladait vraiment dans le coma. C'est un habitué. Ok, reste là un dé à faire, puis le premier étage, enfin le rez-de-chaussée. J'ai peur de tomber sur elle là. On va voir. Ok. Repas. Voilà. D'avoir un accès en plus. Je peux se garder ici. Ok, il me reste deux salles dans ce bâtiment. Après, j'ai tout l'autre bâtiment à faire. Oh! Dur. Je pense pas qu'il y ait ce genre de truc dans les toilettes. Parfois. Salle où j'ai jamais été potentiellement. Prendre ça. Ah! Bonjour. Je vais te parler après, hein. Trouver une note. C'est quoi le bouton des notes? C'est ça. Un amour tordu. Écrit par Seo Jill. Ah, donc l'autre, c'est pas Seo non plus? Alors il a changé de nom entre temps? On sait pas. Je me la joue, Seigneur des Ténèbres, depuis que j'ai découvert cet endroit. J'ai songé à amener Mina ici. Ce serait sympa de l'avoir à mes côtés. Je devrais ordonner à l'ombre de me l'amener. Enfin, je ne blesserai jamais Mina. Je veux juste qu'elle soit là avec moi dans ma salle du trône. Ouais. L'ami Seo, j'ai l'impression qu'il a joué avec des choses qui le dépassent. Hein. Bon, l'ami. Ouais. Yungo. Oh, c'est la Mina. Mina, elle saigne. Elle a l'air de beaucoup souffrir. Mina, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? C'est juste une coupure. Et je n'arrête pas de saigner. J'ai mal, Yungo. C'est Mademoiselle Sang? C'est elle qui t'a fait ça? Je vois pas de quoi tu parles. J'ai besoin d'un... Il me faut quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Tu pourrais aller à l'infirmerie pour moi? Tenter de l'emmener avec moi, trouver de quoi arrêter l'hémorragie. J'ai déjà un bandage sur moi. Je fonce à l'infirmerie, ne bouge pas, je reviens tout de suite. Merci Yungo, je reste ici. Yungo, je t'en prie, reviens si tu trouves quoi que ce soit qui puisse m'aider. T'en fais pas Mina, après tout les voisins sont là pour ça. J'ai un bandage, j'ai tellement froid, impossible d'arrêter ce moment, je crois que c'est grave. Qu'est-ce que je dois faire? Mais mec, j'ai une bande de gaz. Arrête l'hémorragie. Si je fais l'utiliser, il va... l'utiliser sur lui ce con. Ça dégoûte. Bon, il faut peut-être un objet spécial. Aïe aïe aïe. On y retourne. Donc là il faut que je monte, que je retourne à la cafétéria, donc je monte deux fois. Ok. Ok. Ok, ensuite. Infirmerie. C'est deux trucs vers le bas. Ça c'est trop méchant, c'est juste trop méchant ça, sérieux. T'as aucun sign pour te dire il va y avoir un problème, tu te prends juste le truc dans la gueule, tu perds un cœur et puis basta. Super. J'ai limite envie de recharger les games quand ça fait ça parce que... Qu'est-ce que je peux y faire?
que... Oh, sûrement oui. J'ai entendu du bruit dehors. Je suis rentré dans le labo. Je pourrais peut-être avancer dans le labo, mais il faut que je fasse gaffe aux plantes. Ne pas finir empoisonné. Voilà. Oh, il y a un truc par terre. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de flûte rouillé. Il semble très ancien et met une sorte d'aura étrange. C'est sûrement l'objet dont elle parlait. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut récupérer ce vieux truc rouillé? Nice! Choper ce qu'il fallait pour retourner à l'entrepôt.